Riyad Boudebbouz, c'est la fin de l'histoire. Avec de nombreuses arrivées de gros calibre cet été à l'instar de Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, Kessié, Demiral et Mendy, Al Ahly a décidé de se séparer de l'ancien du FC Sochaux. Le conseil d'administration du club basé à Jeddah est en négociation très avancée avec Gabriel Vega du Celta Vigo pour le remplacer. Ainsi, la résiliation du contrat de Riyad Boudebbouz à Al Ahly n'est qu'une question de temps. L'international algérien de 33 ans n'est pas dans le groupe pour le match de ce jeudi, face à Al Oghdoud. Il est important de souligner que si le joueur algérien est poussé à la sortie, ce n'est pas en raison de son niveau ou ses performances sur le terrain. Mais c'est en raison du nombre de licences étrangères que le club a épuisé. Al Ahly a dépassé la limite du nombre de joueurs étrangers autorisés, soit 8. Le club de Jeddah compte déjà Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, Edouard Mendy, Alioski, Modou Baro et Riyad Boudebbouz, Kessié et Mehdi Demiral. Or, les responsables du club veulent encore un renfort au milieu de terrain en la personne de Gabriel Vega. Ce qui impliquerait la libération de 3 joueurs étrangers dont Boudebbouz. Les 2 autres libérés sont Alioski et Modou Baro.